Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur cette météo DigiWave du 7 septembre jusqu'au 13 septembre 2015. Alors, on va faire un petit peu le point. Alors, du coup, vous voyez, lundi, alors un peu de dépression ici puisque nous avons une Herva de 18h à 20h30. Ensuite, nous avons un petit live sur Periscope, le Digiscope, vous l'avez l'habitude, on l'a mis en place vendredi dernier, où nous allons un petit peu vous montrer les coulisses de DigiWave. Et après, nous aurons une émission, justement, le studio DigiWave, en compagnie de Tweet, peut-être de moi-même, peut-être de Palanos, peut-être aussi de Marcello, de Crisis. Vous verrez bien demain. De toute façon, vous savez, comme c'est Météo France, on ne sait pas trop. Des fois, il pleut, des fois pas, et on sait pas. Des fois, ça change. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Ensuite, un peu d'énervant encore une fois de 16h à 18h le mardi. Ensuite, nous avons du LKG de 18h à 20h30. Après, nous retrouvons Jav en état sauvage dans Arc avec Jav vs Wild, avec Nat Piagema. Nous allons faire du jeu de survie. Voilà, du jeu de survie. On va se battre sur Arc avec des dinosaures. Voilà, ça c'est Jav. Ensuite, un petit peu de zéro hein, le soir, histoire de bien dormir. On va tuer des gens, des militaires, voilà, parce que bah, c'est toujours sympa de se défouler sur des gens qui sont innocents en fait. Ensuite, eh bien, nous avons mercredi de 14h à 16h, c'est la journée des enfants. Alors qui dit enfant dit Nat PSG Man tout simplement. Voilà, donc on va trouver un petit live de 2h, de 14h à 16h avec Nat PSG Man. Et après, eh bien, on repart à 18h jusqà 20h30, une Herva, décidément, il est motivé, il est là. Une Herva, il fait des lives, il est présent. Ensuite, on aura la finale tant attendue de la DigiCup commentée par Davido David. Alors ça les amis, ça va être du lourd. Demi-finale plus finale. Donc ça fait 3 BO5. Ça va envoyer vraiment du steak. Ensuite, on a du coup le live de l'argent hein, avec la Suisse, LKG et une Herva aussi. Donc voilà, un don, un kebab. Donc n'hésitez pas, hein, on sait jamais. Hein, si vous avez envie de faire plaisir, un don égale un kebab. Donc c'est quand même assez rentable. Enfin, surtout pour nous. Ensuite, un petit peu de Digiscope, encore, hein, je dis, parce que, voilà, on aime bien parler avec vous, on a envie de développer ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, ça va être assez sympa, je pense. Après, retour, du coup, du studio DigiWave, alors ça sera avec Tweet et Zero qui va, eh bien, coacher notre cher Tweet à CSGO, alors là, ça risque d'être du lourd, parce que Tweet, il a à peu près 50 minutes de jeu sur CSGO, je pense qu'il va y avoir du niveau, alors, attention, je ne veux pas me fouler, mais voilà. Vendredi, eh bien, vendredi, c'est un peu la journée, voilà, c'est la journée du week-end. On a du coup LKG, ici, voilà. LKG, voilà, qui est là de 17h à 19h. Alors, il a voulu des horaires un peu particuliers, du coup, ça a été super chiant pour le planning, mais c'est pas grave, il est là. Ensuite, nous avons Jay, de 19h à 21h, voilà, qui, il est là. Jay, voilà, qui est de retour après une longue absence. C'est vrai que cet été, il n'était pas vraiment là. On ne savait pas trop s'il allait rester, s'il allait revenir. Eh bien non, Jay est là. Et surtout, après, surtout, les amis, c'est le soir, c'est la soirée poker DigiWave. On va se mettre bien, on va se mettre en croupier. Et voilà, on va miser de l'argent. Voilà, et voilà. On va dépouiller des enfants. Ça va être très rigolo. Vous allez voir, c'est vraiment super. Ensuite, nous avons une journée offline, hein, le samedi, effectivement, on a du mal à remplir les créneaux. Donc, si vous êtes un streamer et que vous avez envie de streamer le samedi, n'hésitez pas à nous contacter. recrutement@digiwave.tv. N'hésitez pas, on cherche aussi des community managers, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et pour finir, alors la semaine en beauté, n'est-ce pas, nous avons l'Hanover Convention. Donc, c'est une convention à proximité de Rouen. Alors, c'est à Malby, plus précisément. On va faire un petit live. Voilà, 4 heures de live dans cette convention. C'est un petit peu comme la Japan Touch qu'on avait couvert précédemment. Ça va être un petit peu dans le même genre. Venez, si vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus. On aura un petit stand de DigiWave, ça va être assez sympa. Et on est là-bas, 4 heures. Pour finir, on finit en beauté avec InWave, le podcast DigiWave présenté par Alfeust. Et on reçoit Bill Bonsai sur ce podcast qui va faire qu'en fait, voilà, il va nous parler un petit peu de son expérience au sein de DigiWave, comment il a vécu les choses, etc. Ça va être assez sympa, je pense. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'oubliez pas les événements phares. Voilà, il y a plein de choses. On a mis en place vraiment une nouvelle grille de programme assez sympathique. Il y a des lives tous les jours de 18h à 23h. Il y a même des gros lives Davido David sur la DigiCup. Ça va être vraiment stylé. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bonne journée à vous. Au revoir.